On a pris notre destinée dans nos mains. Les jeunes ont décidé qu'avec les restants de lunch, un cœur de pomme que je mets dans la desserte, puis qu'après ça, qui se retrouve au compost, on a réussi à produire du compost en 2 semaines. L'important de mentionner à propos du Collège Saint-Louis, c'était la première école au monde à avoir un composteur industriel. On produit 8 tonnes de matières premières par année. Comité Compost, c'est comme une petite mini-entreprise pour essayer de rentabiliser le compost qu'on produit, donner aux jeunes une vision de ce qu'une entreprise doit faire. Au collège, nous, ça nous permet de réduire nos déchets d'un énorme pourcentage, presque 70 % je dirais. On fait des pousses de fleurs et de fines herbes. Et à la fin de l'année, il y a 3 ans, on l'a ensaché, on l'a vendu aux parents. L'argent produit a été pour financer les projets étudiants. C'est important d'enseigner aux élèves qu'est-ce qu'ils doivent faire en tant que citoyens et citoyens éco-responsables aussi. Les jeunes vont nous changer, nous, les vieux boomers. Il faut qu'on s'implique. Et si on ne le fait pas avec l'aide des jeunes, on ne le fera pas. C'est une bonne nouvelle, c'est un bon message.